Excusez-moi, monsieur, je voudrais vous parler. C'est pourquoi ? J'aurais des choses à vous dire. J'écoute. Si on pouvait parler ailleurs que devant tout le monde, ce serait mieux. Suivez-moi. Tu vas, toi ? Toilette. S'occuper, retourne au bar. Bon alors, c'est pourquoi ? Je vais vous montrer quelque chose. Mais attends, qu'est-ce que tu veux me montrer, là, hein ? C'est Féroz. Vous la reconnaissez ? Là, c'est quand elle était bébé. Bon, et alors ? Ne prenez pas mal, monsieur. Je voudrais vous demander une faveur. Quoi ? Je vous demande de ne plus rien lui vendre. Qu'est-ce que vous racontez, là ? Je vois rien, madame. Je la connais pas, cette jeune fille. Je vous en prie, monsieur. Vous la connaissez ? C'est Féroz. Je ne la connais pas, votre fille. Je vous en prie, monsieur. Oh, laisse-moi. Hé, touche pas comme ça. Moi, laisse-moi, Savoir où j'habite ? Hein ? Alors, regarde, c'est très simple. J'habite au troisième étage, là-haut. Tu vois où, là, où il y a la grande terrasse ? Là. T'as vu ? C'est un malentendu, je veux juste te parler. Attends, attends. Tu me connais ? Tu me connais pas ? Hein ? Alors, pourquoi tu me tutoies ? Je sais pas, tu me tutoies. Attends, moi, je te tutoie. Parce que je fais ce que je veux. Mais à moi, tu me tutoies pas. Compris ? Alors, vas-y, écoute, qu'est-ce que tu veux ? J'étais avec la femme qui est venue vous voir. Ouais, ouais, je t'ai reconnu, alors. Elle est venue vous parler de sa fille pour voir s'il était possible de ne plus rien lui vendre. Peut-être moyen de trouver un arrangement. Tu la baises, la vieille ? Pardon ? Qu'est-ce que t'as gagné, toi, dans cette affaire ? T'es qui ? Hein ?
Un ami de la famille. Je t'explique. La Férouzou, je sais pas comment elle s'appelle, j'en ai rien à péter. Alors, t'enclenches la première, et tu te casses très loin d'ici, que je te revois plus jamais. Ok? Lâche ça. Tais-toi. Ah.